Salut, je viens d'arriver sur la brocante de Montreuil avec mon ami Alex Gaming. Salut. Hop. Salut à tous. Donc, c'est parti. Espérons trouver des trucs. Tu es Hitman. Bonjour. Vous êtes combien les jeux, s'il vous plaît? Celui-là il est en français. Ah, si tu le veux. Il n'est pas français? Le mien, ah ouais, bah prends-le, vas-y. Hein. Combien il a dit? 2€. Si tu le veux, vas-y. Hein. Les DVD, c'est combien, madame? Vous n'avez pas d'autres jeux par hasard? Je n'en aurai pas plus tard, non. Ouais, non. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, celui-là qui est pas mal. Il fait 10, il fait 13. Il fait 12. C'est la Rock Band. Cosmo 5. Bonjour, vous les faites combien les jeux? Oui. Ils sont à 3 euros, 1, 5 euros les deux. 5 euros les deux. Avec Gaming. Il y a quand même un jeu PS3. Ah si, il y a quand même des Xbox. Vous avez pas d'autres jeux par hasard, non? Ah ok. Ah bah tiens, regarde là-bas. Pardon. Pareil pour ceux-là? Les PS3, non. C'est combien les PS3, l'unité? 6€ l'un et 3 pour 15. Ah oui, quand même. Non, c'est trop cher pour moi. Oh non. Je fais 12. Oh, hop, je les mets ici. Hein. Oh, j'ai déjà. Regarde, vas-y, mais bon. Moi, 6€ l'unité. Dommage, hein, celui-là. Ouais. Platinum. Moi, j'ai récupéré le platinum, mais là, 6€, non. Oh, il doit être réveillé, hein, il y a des vide-greniers. Je prends cela. Je l'ai appelé. Hop, les trois. Bon bah c'est parti pour le vide-grenier, moi la brocante, 19e arrondissement de Paris avec Alex Gaming qui est avec moi. Donc du coup j'espère qu'on va trouver plein de petits jeux. On se partage chacun les jeux, donc s'il y en a un qui l'intéresse, je lui passe, moi je lui laisse. Et s'il y en a qui m'intéresse et qui ça n'intéresse pas, bah je la récupère. Allez, on va voir si on trouve du truc. Alors ça commence avec des DVD de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Il y en a certains que je les ai en loose. Hein. T'as combien les jeux? 15. Comment? 15. 15 ans. Ok. Et Mario, vous le faites à combien?
15 ans. Il y a pas mal de jeux PS4, je crois. PS2 là. Ah oui, il y en a là-bas aussi. Ça, franchement, celui-là, il y a deux DVD, je l'ai fait 3 euros. Les autres, c'est 1 euro chaque. Pour intéresser pour combien? Mais oui, il faut le prendre, ça, bien sûr. Je ne justifie pas, le problème, c'est que ça vaut. Ça vaut pas grand chose. Non, non, c'est clair. Non, mais si vous prenez le lot, on récupère les boîtes. Mais... récupérer les boîtes, ouais. Ouais. Parce que tu prends des boîtes. Ouais. C'est aussi. Tiens, Alex. Ça, la série. Tiens. Tiens, celui-là. Bah, je vous fais les deux pour 1 euro. 1 euro. Ah, bah tiens, j'en ai déjà pris pas mal. Ouais, moi bon, j'ai pas ça. Celui-là, ouais, je l'ai pas. Ouais. Oui, oui, celui-là. Ouais, celui-là, je laisse au Platinium. Celui-là, je l'ai pas, celui-là. Allez, où la dame? C'est combien les jeux PS3? Ces trois-là? Nous sur toute la PS3 que je recherche donc. Il y en a 3 ça là. Ouais, je suis là, il y en a 3, d'accord. Ah oui. Non, je laisse. C'est 3, c'est 3 là. Là. On a fait un seul tour. Ouais. T'as trouvé du jeu. Ouais, et merci de m'avoir repéré un jeu que j'avais pas. Ok, nickel. Et du coup, bah, là, on va aller à la troisième brocante, celle du 15e arrondissement. Ouais. Allez, c'est parti. Deuxième ville, grenier, le dernier. Dans le 15e arrondissement. C'est parti. On va trouver du jeu. Accompagné toujours d'Alex Deming. Ouais, les amis. Voilà, on va faire la dernière brocante. Fin de ville, grenier. J'ai laissé les jeux à Alex Deming. Du coup, mon sac est plein de petites choses. Vous verrez dans le compte rendu. Non, c'est pas un truc de X hein, que vous voyez. Hein. Dans le compte rendu, et puis vous verrez le compte rendu de Alex Gaming dans la semaine. On verra dans. Ouais, désolé, j'ai en train de ranger les yeux. Voilà. Donc, ça sera la surprise. Vous verrez ça dans son compte rendu à lui. Il y a du lourd. Hein. Ouais. Allez, à plus, les amis. Ciao. Salut et bienvenue pour ce compte-rendu de Vidgrenerie qui s'est situé dans Paris. Alors, il y a eu la première à Montreuil, la deuxième dans le 19e et la dernière dans le 15e, ou je sais plus si c'était dans le 15e, je sais plus, enfin bref, sauf que le dernier c'était dans le 15e. Du coup, j'ai vu Alex Deming, hein, on s'est donné rendez-vous parce que je devais lui passer les jeux PS2 qu'il voulait. Il avait vu dans une de mes vidéos, du coup il fallait que je lui donne. Donné et en même temps on a fait des petits vides greniers ensemble. D'ailleurs apparemment j'ai vu que Lightning et Minute Game aussi ont fait vide grenier ce matin au même endroit que nous, donc on s'est croisés, ça c'est sûr, on a dû se croiser comme ça, mais on s'est pas vu parce que je les ai pas vus, parce que je sais pas quoi ils ressemblent, donc eux ils savent pas à quoi je ressemble et moi je sais pas à quoi ils ressemblent, donc il y a que Alex Grim qui doit savoir à quoi ils ressemblent, donc on a dû se croiser parce que j'ai vu qu'ils ont regardé les mêmes jeux que moi. Il y a des jeux que fait montrer dans leur vidéo, du moins que Lightning a fait montrer dans sa vidéo et que j'ai pris. Donc du coup Alex Gaming il avait pris ce jeu à 50 centimes, c'est un jeu PC Big Box Chine. C'est quoi, c'est Intrigue dans la cité interdite. Je crois qu'il était sorti sur PlayStation 1. Bon après il est complet, putain il est de ses têtes le mec. Oh la vache. On dirait qu'ils sont morts. Bon après c'est un Big Box, c'est un jeu PC Big Box. Il voulait le prendre pour Discovery Game. Mais il l'avait déjà, donc du coup, bah, il me l'a donné, mais bon. Moi, j'avoue que les jeux PC, Big Box, ouais, mais bon. Les Chines, bon. Je verrai quelqu'un s'il veut faire un échange, ou je sais pas. Bon, il l'a payé 50 centimes, il me l'a donné au final. Qu'est-ce qu'il y a le jeu dedans, ouais. Et il est impeccable. Il est nickel. Du coup, je crois que ça va partir à l'échange. Je sais pas ce que je vais en faire, honnêtement. Si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas à me faire signe, vous faites un coucou sur YouTube
ou alors sur Rémi Neuilly sur Instagram. Hein. Vous me faites un petit coucou et puis on mettra ça correctement tout à l'heure. Sinon ça prend trop de temps. J'ai récupéré alors tout un petit lot ou un tout petit lot de DVD pour 1€, hop, tout ça. Il y en avait un autre, je sais pas. On va commencer par celui-là, franchement, regardez-moi ça. Ça c'est magnifique ça. War Dogs. C'est pas beau ça, franchement, quand on voit ça avec Ron Christopher. Putain, c'est magnifique. Regardez-moi ce dessin. C'est juste magnifique. On dirait un Rambo. Ah, c'est dit, il est brillant. C'est bien. War Dogs Commando. War Dogs Commando. Donc c'est un film en français, bien sûr, La Machine à Tuer. C'est pas mal. Hein. Alors c'est sorti quand ça? Est-ce qu'il y a une date? Bon, ça dure 1h45. Tout ce que je sais. Voilà, ça dure 1h45, je sais pas quand est-ce que c'est. Bon, ça doit être... ouais, ça doit être... Ah, quoique, non. Quoique, quand je vois les images, non, c'est pas que les années 80, ça. Ça plutôt en 97, un truc comme ça. Hein. Ouais, je dirais 97. 96, 97, il n'y a rien marqué, en fait. Il n'y a pas marqué la date. Donc, si quelqu'un connaît la date, on joue un petit jeu. Ceux qui connaissent la date, vous mettez un commentaire. Et un autre DVD. Ah oui, voilà. Ça. Pareil, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas... C'est magnifique. On dirait que c'est Captain America comme ça. American Boxer, la confrontation. Alors ça, c'est magnifique. Je crois que c'est les mêmes éditeurs, hein, remarque. Hein. Ça doit être les mêmes éditeurs. Ouais, ça, parce que c'est le même truc rouge là qu'il y a là. Les codes-barres, ils sont au même endroit. Je sais pas qui c'est. Qui est ce... Non, il n'y a pas marqué. Prisme. Ah bah c'est Prisme. Ouais c'est ça, c'est Prisme. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Hop. Je sais pas si je vais faire une mise au point. Hop. C'est bien Prisme. C'est eux. J'ai pris deux DVD chez eux. Bah eux ils font des bons DVD, hein, des bons gros nanars. Pareil, le DVD est brillant. Bon là j'avais regardé un petit peu les DVD pour vérifier l'état, mais bon. Après le reste, je sais pas trop. Je sais même pas s'ils sont dedans. Et le dernier DVD, par contre, celui-là, j'ai vu qu'il était rayé. Hein. Celui-là, par contre, oui. Oui, il y a une bosse derrière. Hein. Ce qu'il y a dedans. Par contre, le CD, ouais. Waouh. Oh là là, mon Dieu. Regardez-moi cette horreur. Putain, il y a un DJ qui a fait un truc de sale dessus. Hein. Ah, en fait, c'est un truc qui est cassé du CD, là. En fait, il y a un truc qui se retrouve ici, là. Voilà. C'est quand même mieux. Un DJ, franchement, s'il passe le DVD, j'ai une chance de ouf. Hein. Bon, tout ça, je l'ai payé 1€, donc j'ai pas payé 1€ le DVD. Hein. C'est tout ça pour 1€. Voilà, tous ces DVD là pour 1€. Voilà, le American Boxer, le War Dogs Commando et le TC 2000. C'est un truc avec le Terminator parce que regardez, il y a Billy Blanks dans TC 2000, Two Tyson. Donc ça, j'ai fait la voix de Sony Adventure. Hein. Bienvenue sur la chaîne de Sony Adventure. D'ailleurs, petite dédicace à toi, Sony Adventure, parce que je pense qu'il doit regarder quelques-unes de mes vidéos de temps en temps. C'est sa voix. Ouais, on va faire ça. J'ai récupéré quelques VHS. Regardez, c'est pas de la merde. Les Sanseiya. Sanseiya. Regardez, le volume 23, 20, et donc du coup, il va y avoir peut-être le 21, ça. Ah non, c'est 24. Il n'y avait que ça. En VHS, il n'y avait que ça. Donc, c'est cassette des Chevaliers Zodiac édition manga distribution. C'est ça, il me semble. Hein. Manga distribution. Ou manga la chaîne. C'est peut-être manga la chaîne. Non, c'est manga power, pardon. Manga power. Power. C'était la chaîne qui était diffusée. Je ne sais pas s'il est encore diffusé actuellement sur les chaînes du câble. Donc, là, on a Asgard. Ouais, c'est Asgard. Donc ça c'est le volume 23, donc c'est les épisodes 90 à 94. Donc il y a 90, 91, 92, 93, 94. Donc il y a 5 épisodes. Je dis pas de conneries. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc on a Qui tout double, l'étoile secondaire, le secret de l'ordre bleu, les jumeaux du destin et les liens du sang. Pour l'épisode 94. Après, pareil, ça doit être la même chose. Donc là c'est épisode 78 à 81. Donc là, il n'y a que 4 épisodes. Alors, la griffe du loup en 78. En 79, le loup à la rescousse. En 80, le hurlement du loup. En 81, la grotte infernale.
et la dernière VHS, c'est les épisodes 95 à 99. On n'est même pas encore à ça. Donc là, on a 2, 4, 5 épisodes. Donc dans l'épisode 95, on a l'épée d'Odin. Oula, hop, je filme mieux. Le tout pour tout en 96. En 97, le général Sirène. En 98, l'armure d'Odin. Et en 99, Amère Victoire. Bon, après, c'est des VHS, c'est-à-dire des VHS comme ceci, hein, vous connaissez. Là, c'est des vrais VHS d'époque. Hein. Donc ça doit être daté des années 90. On doit être à 97, allez, je dis 97. Oh non, putain, fou. Oh non, je suis loin, c'est 86, regardez. Si on le verra bien, hop, j'ai fait comme ceci, hop. Vous voyez, c'est 1986. Putain. Je pensais que c'était moins vieux. Et là, maintenant, on va passer que à du jeu vidéo, normalement, c'est ça, ouais. Là, c'est que du jeu. Donc, c'est parti. J'ai récupéré ce Mafia 3. Alors, Alex Gaming, bah, il ne l'avait pas, mais bon, voilà, quand même, il avait pris des trucs PS4, et moi, du coup, bah, j'ai pris... il le voulait, mais bon... Comme il avait pris pas mal de choses, je me suis dit, il faut que je prenne aussi des trucs, hein. Il me semble que c'était ça, hein. Il avait pris des jeux PS4, je sais plus. C'était 1€. Donc, le Mafia 3 inclut des tentes en famille. 3 armes et 3 véhicules inédits. Donc, ça veut dire que c'est qu'il y a un code. C'est qu'on a un petit livret. Donc, ouais. Il y a un petit code. C'est ça. Mais à mon avis, le code, il doit plus être trop valable. Mais il y a quand même, on a une notice pour ce jeu Mafia 3 quand même, hein. C'est assez rare, hein. Oui, il y a bien une notice. Il y a quoi? Il y a 4 pages. 4-5 pages. Et le CD est nickel. Ouais, le CD est nickel. Là, franchement, pour les jeux PS4, le CD, les CD PS4, généralement, ils sont propres. Donc, c'est un jeu numéro... Alors, c'est le CUSA numéro 3617. Donc, il est un français. 1968, New York... New Bordeaux, pardon. En Louisiane. J'allais dire New York. Alors, c'est Bordeaux comme la ville de Bordeaux, mais sauf que c'est un nouveau Bordeaux. Et là, ça se passe en 68. On n'est pas encore en 69, à l'année érotique, comme dirait Gainsbourg. Maintenant, ça va être que du jeu PS3. Oui, c'est ça, c'est que du jeu PS3. Alex Gaming, lui, il a trouvé un bon petit jeu sur Xbox. Ah, il l'aurait pas pris. Franchement, je l'aurais pris. Hein. Mais bon, tant mieux. Hein. Chacun doit avoir ses petites choses, hein, sinon, c'est pas marrant. Hein. Si je récupère tout après, ça va être marrant pour les autres. Hein. Donc, je tiens à laisser mon ami Alex Gaming. Donc, j'avais vu dans la vidéo de quand s'appelle le Lightning tout à l'heure. J'ai vu ta vidéo d'ailleurs. Tu vas regarder ma vidéo. J'ai vu que tu avais vu ça avec Miminet Game. Alors, ce qui est marrant, c'est que Lightning est allé avec Miminet Game à Montreuil et moi et Alex Gaming, on a été à Vide-Grenier à Montreuil. Donc ils ont dû passer juste quelques minutes après nous, quoi. Peut-être une minute ou deux après, avant nous, pardon. Avant nous. Donc j'ai récupéré gratuitement cette boîte, parce qu'en fait, il n'y a pas le CD dedans, malheureusement. Mais, il y a la petite notice du guide touriste de Liberty City. Et on a la map. Une longue map. Bon, je vais pas voulu la déplier, hein, pour des raisons de... Vous savez quoi, hein, parce que si je la déplie, généralement, on ne sait jamais comment la replier. Donc on a la petite carte de c'est le Liberty City et on a le guide de Liberty City en quoi en 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pages à peu près. The Ballad of Gay Tony. Coucou Tony. Et il y a Lost and Damned, pardon. Et le dernier, c'est quoi déjà? Il y a quoi? C'est le pack. En fait, c'est un pack. Liberty from Grand Theft Auto, Liberty from GTA. Ah, pardon. Grand Theft Auto 4 et épisode from Liberty City. Je vais retirer les étiquettes parce que moi, je m'en fiche. Alors, certaines personnes adorent regarder les étiquettes, mais moi, franchement, regardez-moi ça, c'est trop là. C'est un petit peu trop là. C'est trop too much là. Il y a trop de trucs là. Il y a le prix occasion, il y a le prix offert, il y a le prix 9€. Malheureusement, bon, ah oui, tiens, l'édition intégrale comprend Grand Theft Auto 4 et les épisodes The Lost and Damned et Ballad of Gay Tony. Donc, c'est lui, Gay Tony, hein, lui. Parce qu'il est gay, hein. Mais dans le sens, voilà quoi, la jaquette, on va dire.
Donc bah, c'est toujours agréable, hein, la boîte est gratuite, donc il ne me restera plus qu'à le compléter si un jour je tombe sur le CD. Ou si quelqu'un un jour tombe sur le CD, bah, qui me fascine, on pourra faire un échange avec je sais pas, des VHS, des DVD qui vous intéressent. Bon, pas contre des jeux PlayStation 3, parce que je fais le full set, ça serait quand même un peu con. À part ceux que j'ai en double. Hein. Voilà pour celui-là, pour le Gaetoni. Que j'ai payé, non, que j'ai même pas payé, celui-là, j'ai eu gratos. Donc on continue avec celui-là et celui-là, c'était ensemble, il me semble. Donc ouais, on va faire ça. On va faire celui-là en premier, ouais, celui-là, allez. Le Stuntman Ignition. Donc il y a eu un sur PS2, et là c'est la version PS3. Alors je les ai eu pour, c'était 6€ le tout, donc ça fait 2€ le jeu à l'unité. Hein. Parce que moi je divise tout hein, en fait. Hein. C'est-à-dire, bon, je les ai payés 6€, j'ai payé 6€ les 3. Donc si je divise par 3, bah, ça fait 6€ par 3, bah, ça fait 2. Forcément. Et malheureusement, il n'y a pas la notice. Donc le CD, j'ai même pas regardé, vous voyez. Il est un petit peu rayé, il y a des empreintes, donc on pourra identifier la personne qui avait le CD avant. Là, c'est en forme de balles de Magnum. Enfin, en forme de baril. Enfin, ça cherche un nom. Il faudra que je nettoie un peu la boîte, elle est un peu sale, mais bon, dans l'ensemble, ça va, c'est nickel. Il est en français. C'est très bien, ça, c'est parfait. Bon, après, il est marqué jeu en français. Après, bon, malheureusement, il n'y a pas la notice. Donc, il va falloir que je chope la notice. C'est le numéro Bless 135. Donc, on n'aura peut-être pas les trophées. Hein. Cette période-là, on n'a pas les trophées. Donc, celui-là, il manquera la notice, donc il sera à compléter. Je récupère aussi, pour 2€, le Heavy Rain. 6 divisé par 3, hein, pour donc 2€. Il faudra juste que je retire cette merde-là de Fnac. Hop. Est-ce que je vais réussir, comme la PSP la dernière fois, à le retirer en une seule fois ou pas? Et ouais, c'est nickel. Hop. Voilà, maintenant c'est plus propre. C'est quand même beaucoup plus présentable. Donc c'est le Heavy Rain. Celui-là, je l'avais eu déjà sur PS3. Je l'avais revendu parce que bon, j'étais pas très chaud pour faire un full set PS3 à l'époque. Et maintenant que je vais faire le full set, ben, du coup, bah, à chaque occasion, puisque je le récupère. Donc, j'ai le Heavy Rain sur PS3 en édition parfaite. Il était quand même à 9,99€. Hein. Ah bah oui, c'est prix Snack. Hop, en même temps, j'en profite pour faire un nettoyage. Ça, c'est quand même beaucoup plus propre. Donc, il est en français. Ce jeu-là, il est super parce qu'on peut faire des choix. Il est vraiment génial. Donc, à conseiller pour ceux qui n'y ont pas essayé. Vraiment, un scénario franchement tonnerre. C'est comme un film, c'est une sorte de film interactif, quoi, en fait. Et le dernier, en fait, je crois qu'il y avait tous les Metal Gear, mais non. En fait, il me manquait sur PS3. Hein. Il me manquait celui-là, l'édition Day One. Le Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain of Pain. Ah non, c'est Phantom Pain. Et là, il est complet. Ah, alors, oui, il est complet, ça. Et c'est la notice, ça. Oui, c'est la notice. C'est la notice, et ça c'est un code, et ça c'est un autre code. Il y a deux codes, ah oui, il y a deux codes qui sont différents, d'accord, ok, oui. Il y a deux codes différents, on a le Day One Additional content, et le Metal Gear Online Additional content, ça veut dire qu'on est très content de les avoir. Tu m'étonnes au prix qu'il les a payés, le mec, à l'époque. 39€ 39€ s'il n'était pas content. Mais je me demande si c'est vraiment la notice, ouais. C'est un peu bizarre. Je pense qu'il doit y avoir autre chose. Donc, en tout cas, moi, je suis content de l'avoir, celui-là. Les Metal Gear Solid 5 Day One Edition. Donc après, moi, je vais retirer ces étiquettes Micromania. Moi, je m'en fous. Je vais bien nettoyer la boîte. Personnellement, je m'en fous royalement. Donc, Metal Gear, je l'ai payé 2€. J'ai récupéré ce GTA 5, GTA 4. Donc là, maintenant, j'ai tous les Gran Turismo sur... sur la PlayStation 3, mais par contre, je sais plus combien j'ai payé celui-là. J'ai dû payer 2€, je pense. Bon, avec Zeming, si tu sais, si tu te rappelles, si tu regardes la vidéo, je ne me rappelle plus du prix. Ah, par contre, ah ouais, la notice a été des prix. Ah mon dieu. Ah mon dieu, quelle horreur. Normalement, de toute façon, je dois l'avoir en meilleur état que ça, hein, mais la notice. Donc là, on a le CD. Oh, je suis juste ça, donc ça va. Ça reste correct. Donc là maintenant, j'ai tous les GTA sur la PlayStation 3, ça c'est bon. Ça c'est terminé pour cela. C'est terminé, donc il manquera juste à rajouter la notice. Malheureusement, il manque la notice. Bon, je crois que ça devait être 2€, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du tout. Il est en français, bienvenue à Liberty City.
Ah d'ailleurs j'ai oublié de dire, mais pour Metal Gear, c'est le numéro Bless 2102. J'ai oublié de le dire. Donc là on aura les trophées. Et du coup celui-là, oui celui-là il y a des trophées, c'est le 229. Il me semble qu'il y a des trophées pour celui-là, le GTA 4. Je l'avais eu avant, je l'ai revendu. Vous aurez peut-être à voir encore en Bretagne ou en Normandie, je sais pas. Donc voilà. Et maintenant on passe au tout dernier jeu, les deux derniers jeux. J'ai payé un peu plus cher ceux-là. C'est une africaine, mais finalement c'était beaucoup plus cher, mais j'ai réussi à faire descendre un peu le prix. Le Midnight Club Los Angeles. Alors la dernière fois je crois que j'avais rentré le Midnight Club New York il me semble, ou Los Angeles. Mais il manquait une notice, je me rappelle. Il me manquait une notice. Donc du coup, bah comme la boîte est en bon état et qu'il y avait la notice. Bon, c'était 7€ à la base, mais je l'ai eu pour 5€. Bon. C'est. Ça mange pas de kebab ou ça mange pas de McDo ou ça mange pas de pain comme dirait Boyard. Ça dépend. Ça dépend en fait dans quelle région de la France on se situe. Hein. Je sais que Paris c'est plus kebab et McDo. Hein. Marseille, je sais que c'est plus de pain. C'est le ping. Donc Boya, si il regarde la vidéo, hein. Petite dédicace à toi. Putain, waouh. Oh, le mec il a mis ses empreintes. Il voulait vraiment laisser les empreintes sur le CD. Hein. Il voulait vraiment faire montrer que c'était à lui le jeu. Hein. Putain. Donc on a le manuel. Le manuel. Si tu regardes manuel. L'utilisateur. Son prénom c'est Manuel et son nom c'est l'utilisateur. C'est son nom. Donc c'est sympa, il a son nom partout. Ah bah c'est Rockstar. Ah j'ai pas fait gaffe. C'est Rockstar, les mêmes qui ont fait GTA. Donc un bon petit jeu qui est un français. La meilleure façon de découvrir Los Angeles est à 395 km/h. Moi j'aurais dit autre chose. Hein. C'est combien c'est 28 miles à l'heure. Non c'est 86 miles à l'heure. Ouais, parce que 21, c'est un peu lent. Hein. Limite à pied, tu marches plus vite. Et le dernier jeu PS3 que j'ai pris avec. J'ai payé ça à 5€ et l'autre 5€, donc 10€ le tout. Au lieu de 14€. C'est ça, normalement c'était 7 et 7, 14. Ouais, c'est ça. J'ai pris le Ratchet and Clank All for One. Mais par contre, c'est la version américaine. Hein. Malheureusement, vous voyez, c'est marqué là, le petit E comme ça. C'est la notation américaine de chez eux, quoi. Nous, c'est 14, 12, 16, 18. Chez nous, c'est... chez eux, c'est E, T, G, c'est des lettres, quoi. Et nous, c'est des chiffres. Donc, il est en parfait état. De toute façon, ça changera rien. De toute façon, ça passe sur la Play 3. C'est pas un souci. Il y a une jaquette quand même réversible, bon. C'est réversible, ouais, mais bon, il n'y a pas de... Merde, c'est parti tout seul. Le CD il est là, il est en parfait état, c'est nickel. Et on a quand même ouais, une jaquette réversible. Bon après c'est un peu un dessin d'enfant on dirait. Mais c'est quand même une jaquette réversible parce qu'on a quand même vous voyez, le logo PlayStation 3 là tout ça. Donc on va remettre le CD là, hop. Les Ratchet et Clank sont un peu côté mais bon vu que c'est en anglais. Bon après l'anglais, aucun par contre. Après moi ça me dérange pas du tout. Hein. Franchement on s'en fiche. Hein. Maintenant c'est sûr si je le trouve en français. Si demain je le trouve en français pas trop cher, c'est sûr que j'ai pas hésité. Et là il y a quand même multiplayer, trophy et voice chat. Voice chat. Et pas un chat. Hein. C'est pas des chats. Hein. C'est pas la voix des chats. Hein. Donc c'est le petit Ratchet & Clank All for One. C'est-à-dire tous pour 4. Là c'est oui, c'est un jeu de mots. Ah oui, c'est d'accord, ok, c'est parce que c'est le quatrième opus. Et donc ils ont joué avec le jeu de mots All for One. C'est-à-dire un pour tous, quoi, en gros. Tous pour un. Non, c'est tous pour un, pardon. Et c'est le BCBQS 90259. Et voilà, c'était le dernier jeu que j'ai pris, quand même. On a fait 3 vides greniers avec Alex Zeming, donc du coup, bah, on a quand même bien dépensé, on a trouvé des bons petits trucs. Donc ça m'a fait 10. Ça devait être 2, donc ça fait 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ça c'était 20€, ça fait 20€ pardon, dis ça, ça fait 20, ça fait 21,50 et 21, ça fait 22,50, voilà j'ai dépensé, voilà, 22,50 et j'ai eu tout ceci. Donc c'est pas trop mal, c'est pas ouf, hein. C'est pas comme les dernières rentrées des Vidigroni comme j'avais fait à Chaville. Alors petite rectification comme a dit d'ailleurs justement
les yeux dans le rétro, c'était pas le 78 de département, mais le 92. Parce qu'en fait, j'avais fait un autre vide-grenier à côté, et comme j'avais rien trouvé, donc j'ai pas fait de compte-rendu sur ce vide-grenier. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai mélangé le 92 et le 78. Donc ça, c'est ma faute. J'en suis désolé, excusez-moi. Donc là, c'était exclusivement à Paris. Donc, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo sur le compte-rendu du vide-grenier, de trois vide-greniers. Hein. Donc, Paris 19e, Paris 15e et Montreuil. Pas très loin de la porte de Montreuil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Demain, je fais un autre vide-grenier, normalement Colombes. Donc, si vous voulez me voir, je serai à Colombes. Il n'y a pas beaucoup d'exposants, mais bon, c'est pas très loin de chez moi. Il n'y a que 35 exposants. Donc, bon, on verra bien. Ça me fera une balade, quoi, on va dire. Ça me fera une balade, rien n'est perdu, quoi. Merci. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner. On est déjà 119 ans aujourd'hui. Hein. Là, il est 14h presque. On est 119. Merci à vous. Merci beaucoup parce que on est quand même 119, ça commence à grimper. Quoi. Et ça grimpe et on va y arriver. On va monter jusqu'en haut, jusqu'à des sommets incroyables. On va essayer de faire comme Kirby 54, là, Astérion, pardon. Comme Astérion, essayer de faire à peu près le. J'aimerais bien avoir le même score que lui, hein, j'avoue. Mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Allez, ciao les amis!